Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis parce que pour ma part je vais vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui nous serons pour la deuxième partie du Grand Best of de 2017, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait d'une deuxième partie, vous avez mis 16 pouces bleus, donc il y aura dans la vidéo le petit free screen, je l'appelle comme ça. Et ben bref, aujourd'hui nous allons encore garder nos vidéos les plus ouf. C'est parti, let's go. Donc alors là, c'était franchement là quand j'étais vraiment super motivé, 106 abonnés en une nuit, un truc de ouf. Merci les abonnés, coffre géant. Donc oui, avant je jouais à Clash Royale avant. Bref. Ah ouais, putain, j'avais changé le nom de la chaîne aussi. Oh mec, la qualité quoi, elle est pas... Wow putain. J'ai tous ces jeux là putain. Ah ouais mec, là ça vous voulez putain. Wouah, j'ai les yeux qui pleurent sa mère. Oh putain, j'ai les yeux qui pleurent sa mère. Maintenant, comment on est, on a 1580, mec. C'est juste énorme, les amis. Merci infiniment, les rayons. Re, les amis, donc là, il n'y a pas de son. Donc, il y a eu un problème de son, là, dans cette vidéo. Donc, je sais pas trop, voilà. Oh, putain, mec, j'avais fait tout ça avant. Waouh. Alors là, du coup, j'expliquais, en fait, la nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Donc là, il y a maintenant, le 23 mai 2017, ça fait un an. Enfin, ouais, ça fait un an. Ouais. Et donc du coup, ben, mon village est encore plus augmenté que ça. Enfin, je crois. Ouais, les murs, les remparts, ils ont augmenté. Donc du coup, ça fait super plaisir de se retrouver les trucs best-of. Comme ça permet entre guillemets de parler. Donc du coup, là, malheureusement, il n'y a pas de son. C'est dommage. C'est parti, les amis. Donc là, il y a trois facecams. Donc là, comme j'avais fait avec Paranormal, son frère, j'avais fait un essai d'une brille. Là, on va faire un top big continue. Voilà. Bon, du coup, 1, 2, 3, donc oui, il y a 3 réactions différentes. Déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal faire ça. Wouh, yeah! J'avoue, c'est super marrant. Mais moi, je rigole, il faut le faire quand même. Ouh. Ah putain, le mec! C'est nul. Oh là, oh là putain. Oh attends. Alors c'est quoi là? Ma voix a vachement gravé, lol. Ah! Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui me disaient, ceux qui me connaissent depuis maintenant 2 ans, ma voix a vachement gravé. Bah, voilà, a gravé, façon, elle a augmenté, façon, quoi. Enfin, bref. Que quoi? Ah, comme ça, on a 2 vidéos en même temps. Oh, putain, la... Ouais, la musique a été chiante par contre. Ah ouais, avant je faisais vraiment des vidéos de merde. Hein. Maintenant j'ai remarqué que je fais des vidéos mieux parce que je fais des miniatures et tout. Oh putain mec, la voix. Ah c'est horrible. Ah mec, c'est juste horrible. Voilà les amis, donc là on retrouve pour une vidéo spéciale parce que c'était hospitalisé dans un hôpital psychiatre. Enfin, pour être logique, c'était un sort de... Pilta, donc j'ai... En fait c'était quand j'ai vraiment... C'était en 5ème, j'ai vraiment stressé, j'avais une boule au ventre, je sais pas ce que j'avais. Et donc du coup, bah, j'explique en vidéo YouTube que du coup, bah, y avait des petits trucs et tout ça, donc voilà.
Juste pour vous prévenir. Les fameux canulars, bordel, j'avais même pas pensé que j'allais faire un canular. C'est gênant, mec. Je suis youtubeur. D'accord. Elle est con, quoi, la meuf. Je peux pas. C'est bon, il faut que je répète. C'est bon. Youtubeur, elle doit pas comprendre quand même, la meuf. Youtubeur, allô, ici Ether, ici Houston. Youtubeur. Youtubeur comment? Oh putain. Oh Romain, oh my god. Oh putain. Ah ouais, j'étais en 5e mec. Ah, je m'en souviens maintenant. Ouais, bah, vous... Oh le fils de chien. Ah non, je voulais attaquer le frat, moi. Ah le foiré. Toi, tu t'es fait attaquer, mais tu t'es fait attaquer par le vent, mais il a rien fait. Sérieux? Ouais. Avant, je faisais des vidéos comme ça, sans gêne. C'était trop ouf. Donc, dédicace à Romain. Dédicace à Romain. Pas. Bonjour à tous. Ah merde. Ah ouais, c'est pas la vraie intro en fait. Et oui, le retour de Five Nights at Freddy's 4 que je vais bientôt refaire d'ailleurs. Wow. Wow. Oui, parce qu'en fait, je vais maintenant refaire le Five Nights at Freddy's 4 parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc là, les retours des montages sont été présents. Hein. 4 mois. Donc là, j'imagine même pas le temps d'attente de Five Nights at Freddy's. Hein. Putain, mec. Alors, je sais pas s'il y a des jumpscares par contre. Ah, par contre, j'ai fait de ma mère parce que Five Nights at Freddy's 4, je crois que c'est l'un des pires jeux que j'ai testé. Ah oui, les retours des blagues, nouvelle série. Ça fait longtemps. Toto, assis juste derrière le chauffeur de bus, se mit à réciter « Si mon père était un coq et ma mère une poule, je serais un poussin. Si mon père était un bœuf et ma mère une vache, je serais un veau. » Le chauffeur, très en colère, intima à Toto de se taire, cependant, celui-ci continuant en riant. Si mon père était un mouton et ma mère un brebis, je serais un agneau. Le chauffeur, très en colère, lui dit ceci. Si ton père était un enfoiré et ta mère une pute, que serais-tu? Toto répondit. Je serais un chauffeur de bus. Putain, pas mal celle-là. Elle était pas mal, bordel. Donc, là, ah oui, Chucky 7. Je m'en souviens. Sur 2017. Ouh. Oh, damn. Mec. En fait, je sais, c'est vraiment le truc le pire qui soit arrivé dans ta vie, quoi. Wow. Ah bah oui, Jigsaw aussi. Tant qu'on y... Oh, oh. Ah, Jigsaw, vous connaissez. C'est le dernier Jigsaw qu'on ait eu. Enfin, j'espère. Enfin, je l'ai. Ouh, ça y est, le retour du Jigsaw, putain de merde, c'est trop flippant. Ah bah tiens, petite pub pour mes parents, le centre de bien-être canin, dans la description, n'oubliez pas. Ça c'était ma première vidéo avec Dakota, qui nageait dans la piscine. Regardez mon chien. Donc il y avait un journaliste qui était juste derrière. Qui posait des questions et tout ça, donc du coup, ben c'est pour ça qu'elle a été dans la chambre et l'observateur, et je crois que c'est tout. Et donc, du coup, voilà. Et 14 pouces bleus, putain, quand même. En tout cas, merci. Oh, damn! Putain! Je crois que c'est la meilleure vidéo qui ait fait le buzz hein, sur ma chaîne. Enfin, c'est pas celle, la première, mais putain, elle a fait 846 vues. Putain les amis, franchement, 36 pouces bleus. Franchement, vous gérez. Hein. Sur Gwenny, vous avez
C'est énorme. Et encore, c'est pas encore fini. Merci infiniment, les rayons. Ah, le retour d'une vidéo. Donc là, en fait, j'avais un peu... Le titre était un peu bizarre. Mais c'était vraiment pour que changer de chien un peu. Parce que je suis toujours resté sur le chien, c'est un peu... Voilà, quoi. Donc il s'appelle Newton. Et il doit avoir 9 ans, je crois. Donc du coup, il y avait des... J'avais coupé entre deux. Hein. Donc il y avait des clients. Donc c'était leur chien, leur propre chien, eux. Donc du coup, là, moi je suis avec la tablette. Et donc du coup, voilà. Et franchement, c'est super sympa parce que ça rééduque les chiens en même temps. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Surtout si les chiens, ils ont une... Bon, je vais dire des conneries, mais ils ont mal au doigt et tout ça. Donc ça permet, la piscine permet pour les chiens de rééduquer, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'éducation canine. Voilà. Les amis, on va se quitter sur ça. On va se quitter sur la porte d'annonce de Slenderman. Donc du coup, je crois qu'on aurait fait un bon best-of encore une fois. Et donc du coup, je commençais à faire des montages. C'était plus intéressant. Mais malheureusement, certains d'entre vous n'ont pas aimé les montages que je faisais avec les titres que je faisais. Ou alors les textes, voilà, enfin bref, ça vous gênait. Donc du coup, on va se laisser sur ça, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc j'espère mettre un max de pouce bleu si vous voulez un dernier épisode, parce que voilà, donc on est presque à la fin du best-of. On est à la 704 vidéos, et donc il nous reste encore, on va dire, 2 ou 3 à regarder encore, ou 5 ou 6, je sais pas. Mais donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu. Il y aura du montage, et bien évidemment, et j'espère que vous serez nombreux. Alors l'objectif de mettre des pouces bleus, c'est de 12 à 14 pouces bleus. Parce que là, c'est du lourd. D'accord? Donc 12 à 14 pouces bleus pour un troisième épisode. Pour un dernier. Donc nickel. Merci à tous ceux qui vont liker. Merci à tous ceux qui vont regarder jusqu'au bout. Et merci infiniment les rayons. Je m'assimère. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.